m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends. Cette atmosphère, nous allons tous prier. Nous allons dire au Saint-Esprit, nous attendons à toi. Nous allons dire au Saint-Esprit, nous attendons à toi. Toi, tu sais, nous ne savons pas comment il convient de prier. Et le Saint-Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. Et le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, ce soir encore, viens faire ton ministère. Nous ne te demanderons jamais assez. Nous ne passerons jamais trop de temps à t'implorer. Parce que c'est à propos du Saint-Esprit que Jésus a dit demander. Et dans la version grecque, il dit continuer de demander. Chercher. Continuer de chercher. Frapper. Continuer. Tant que tu ne l'as pas trouvé, c'est que tu n'as pas encore assez frappé. Chercher. Tant que tu n'as pas trouvé, tu n'as pas encore assez cherché. Tant qu'il n'y a pas eu effusion, vous n'avez pas encore assez frappé. Continuez. Voilà pourquoi la Bible parle souvent du mot persévérer dans la prière. Il ne dit pas seulement prier, il dit persévérer. Alors ce soir, nous allons persévérer en demandant au Saint-Esprit de nous conduire. En demandant, en implorant que le Saint-Esprit vienne nous saisir, vienne nous soulever, vienne nous assister, vienne nous inspirer. Alors que nous attendons à toi, élevons la voix tous ensemble, bien-aimés, implorons-le, 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 comme les désespérés, comme Anne, implorons-le, comme Bartimée, implorons-le, 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 comme la femme cananéenne, implorons-le, comme la femme avec la perte de sang, implorons-le. Oh, nous t'implorons, nous ne savons pas prier, mais nous t'implorons, magnifique esprit de Jésus, viens nous conduire sur les rails de ta volonté. Viens nous conduire sur les rails de ta volonté. Viens nous conduire sur les rails de ta volonté. Viens nous conduire sur les rails de ta volonté. Viens nous conduire. La yara mare se demara sovila de la roche. Les maroches aimaient la sauté. Maracatoe le moros o rababaresa. Li amaros et telemarosa. C'est le Saint-Esprit qui nous dit comment il faut approcher le Père. Les prières s'adressent au Père. Mais lorsque nous sommes en train de prier en introduction, nous sommes en train de demander au Saint-Esprit de nous connecter sur la fréquence du Père. Sur la fréquence du Père. Parce que ma Bible dit, de même aussi l'Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu le Père qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Le Père connaît, le Père est en relation avec le Saint-Esprit. Il connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède pour nous. Voilà pourquoi sans lui, nous ne pouvons pas approcher le Père. Jésus est le chemin, le Saint-Esprit est le compagnon qui nous emmène au Père. Jésus est le chemin, le Saint-Esprit est le compagnon qui nous prend par la main sur le chemin du nom de Jésus pour nous emmener jusqu'au Père. Jésus est le chemin, le Saint-Esprit est le compagnon qui nous emmène sur la route appelée Jésus pour atteindre le Père. Ô magnifique Esprit de Jésus, nous t'implorons, nous te supplions, conduis-nous sur les sentiers de ta volonté alors que nous attendons à toi. God, we thirst for you. God, we thirst for you. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta gloire. Ah. Remplis ce lieu de l'atmosphère de ta présence. Remplis ce lieu, nous t'implorons. Quand tu descends,
L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. L'atmosphère change, la peur s'en va, la terreur prend le relais. Aïe, 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 aïe. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, tu es l'esprit de liberté. Et ma Bible dit, là où tu te trouves, là où se trouve, oh le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où se trouve l'esprit du Seigneur, il y a abondance, 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 abondance. Ah, pas rareté, mais abondance. Pas quelques-unes, mais abondance de liberté. Pas quelques libertés, pas quelques libertés, pas une poignée de liberté, mais abondance. Ça veut dire toutes les chaînes brisées, tous les fardeaux ôtés, les œuvres du diable détruites. Là où tu te trouves, il y a abondance, 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 abondance. Quand tu descends, l'atmosphère change. Les ténèbres s'enfuient, la lumière paraît, la lumière paraît, la lumière paraît. Les ténèbres des afflictions, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la présence des démons, les esprits humains, les esprits de sorcellerie, les esprits humains, les hôtels familiers, les gardiens des hôtels, les esprits humains, les esprits de sorcellerie, ce soir, seront tous châtiés. Tous jugés, tous jugés, les esprits humains, ce soir, quand tu descends, viens juger, viens rendre à chacun selon ses œuvres, viens comme un feu, viens comme une violente tempête, viens comme un feu dévorant. Quand tu descends, l'atmosphère change, l'odeur des ténèbres quitte les vies. Quitte ce lieu, quitte les âmes, quitte les familles, quitte les foyers, quitte la santé, quitte le foyer, quitte la destinée. L'odeur des ténèbres, la bonne odeur de Christ, ce soir est répandue, elle sera répandue, elle sera répandue. L'atmosphère change, il y a transfert. Le ciel et terre. Oh, quand tu descends, les marachas, il y a, oh, il y a. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a la ramarade. Tu descends, l'atmosphère change, il y a Sora la Maria. Quand tu descends, lève-toi, que ta gloire apparaisse. Certes, les ténèbres couvrent la terre. Et une obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais quand tu descends, la lumière paraît. Les ténèbres couvrent la terre. Tu as dit, mais sur toi, peuple de Dieu, un pasteur chrétien, sur toi qui es connecté en présentiel ou sur internet ou depuis les autres campus, sur toi, sur nous, le Seigneur s'est levé. Il se lèvera et sa gloire apparaîtra. L'andra maracha kaparazo, le barakate, la maraoskata le morosa. Quand tu descends,
l'atmosphère change. Les ténèbres s'enfuient. Que ta lumière paraisse. Que ta lumière paraisse. Que ta lumière paraisse. Là où les ténèbres dévoraient. Là où les ténèbres détruisaient. Les ténèbres sont un environnement. Les ténèbres sont une atmosphère. Les ténèbres sont une odeur. Les ténèbres sont un climat propice à l'activité des démons. Mais lorsque la lumière arrive, les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de fuir. Lorsque la lumière brille, les ténèbres se dissipent. Et la guérison germe, la libération germe, la captivité paraît, la libération paraît. Lorsque les ténèbres s'enfuient, alors la lumière brille, la gloire du Seigneur, elle apparaît, elle apparaît, elle apparaît, elle apparaît. Quand tu descends, l'atmosphère change. L'atmosphère, notre ciel et terre. Quand tu descends, l'imara chalero, paradero sanarama, maro sete, l'imaro chalarabo, l'imara chete le rebosa. Quand il est là, ça veut dire que la lumière apparaît, les ténèbres s'enfuient. Voilà pourquoi il dit que l'atmosphère change. L'atmosphère, c'est un climat. L'atmosphère, c'est une odeur. L'atmosphère, c'est un environnement. Lorsqu'il est là, il descend. Les ténèbres se dissipent. Tu vas élever la voix ce soir. Nous allons élever la voix. Et nous allons déclarer que les ténèbres disparaissent de vie, disparaissent de l'église. Les ténèbres, ce n'est pas l'obscurité que tu vois dehors. Les ténèbres, c'est un climat emmené par le diable. Les ténèbres, c'est le climat dans lequel il veut égorger, dérober ou détruire aisément. Là où il y a les ténèbres, Satan continue d'opérer. Il a besoin des ténèbres pour travailler. Il ne peut pas travailler dans la lumière. C'est Dieu qui opère dans la lumière. Jésus est la lumière. Là où il vient, il n'y a pas de ténèbres. Nous allons prier ce soir et nous allons déclarer que les ténèbres des maladies, les ténèbres des divorces, les ténèbres des afflictions, les ténèbres des souffrances, est-ce que tu connais des maladies? Les ténèbres des ménopauses précoces, les ténèbres de la folie, les ténèbres de la maladie, des maladies incurables, des maladies de peau, des maladies de sang, des maladies auto-immunes, des maladies... Hey, on m'a parlé de lupus. Le lupus va mourir ce soir au nom de Jésus. Les ténèbres vont mourir ce soir. Les ténèbres sont expulsées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit descend. La lumière descend. La gloire du Seigneur s'est levée. La gloire du Seigneur va apparaître. Elle va apparaître. Élève la voix. Élève la voix. Parce que je suis la lumière. Tu es la lumière. Des lumières sont assemblées ce soir. Des lumières sont assemblées. Là où les lumières s'assemblent et les lumières sont fâchées, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Nous allons réprimer l'odeur, l'atmosphère des ténèbres. Commandez, nous sommes la lumière. Là où nous sommes, il n'y a pas de ténèbres. Là où nous sommes, il n'y a pas de ténèbres. Là où nous sommes, il n'y a pas de ténèbres. Là où nous sommes, il n'y a pas de ténèbres. Voilà pourquoi les ténèbres sont brisées ce soir. Les ténèbres vont être totalement évacuées. Évacuées. Et quand les ténèbres disparaissent, c'est la lumière qui naturellement apparaît. Elle apparaît. Quand la lumière apparaît, le fruit de la lumière, c'est la guérison. Le fruit de la lumière, c'est la libération. Le résultat de la lumière, c'est la restauration. Le résultat de la lumière, c'est l'éclat, c'est la splendeur, c'est le témoignage. Il faut juste que la lumière, les ténèbres se dissipent et que la lumière apparaisse. Réprimons les ténèbres. 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 Rébaré à Châtel et Marossa. Libéré les mots, il a rabat. Léé les maros, il est les maros. Chéé les mots, il y a rabat.
Rappelle-toi que ce soir, ce qui fera la différence cette semaine et ces 21 jours, tu ne combats plus seul, c'est terminé. Tu n'es plus seul dans ce combat. Nous sommes une armée de lions, une armée de lumière ce soir. Une armée de lumière, des lumières qui se mettent ensemble, des lumières qui se mettent ensemble. Vont aveugler les ténèbres, vont aveugler les démons. Cette lumière va pas seulement aveugler, elle va terrifier, elle va terrifier, elle va terroriser cette nuit, ce soir au nom de Jésus. Quelles sont les œuvres des ténèbres? Quelles sont les expressions des ténèbres? Ce soir, nous, la lumière, nous commandons la désintégration des ténèbres, l'expulsion des ténèbres, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, que ta lumière luise, que ta lumière paraisse, que ta lumière paraisse. Et quand ta lumière paraisse, ce qui était caché est révélé. Oh, il y a des mariages qui étaient cachés par les ténèbres. Il y a des personnes qui étaient cachées par les ténèbres. On ne te voyait pas alors que tu étais là. Il y a des utérus qui étaient cachés par les ténèbres. Il y a des systèmes immunitaires qui étaient cachés par les ténèbres. Il y a des utérus qui étaient cachés par les ténèbres. La personne, on ne sait pas pourquoi. L'utérus, on ne le voit pas. La soeur, on ne sait pas pourquoi. On ne la voit pas. Le frère, on ne sait pas pourquoi. On ne le voit pas. Il est diplômé. Il a un diplôme. Mais on ne le voit pas. Il envoie son CV. Mais on ne le trouve pas. Pourquoi? C'est une atmosphère. C'est une atmosphère. Cette atmosphère ce soir est brisée. Ah. Réprimons les ténèbres. Parle aux ténèbres. Parle aux ténèbres. Dis-leur, je suis la lumière. Je suis la lumière. Quand je suis là, tu dégages. Nous sommes là. Vous dégagez. Vous dégagez. Vous dégagez. Quand les ténèbres se dissipent, ce qui était là, en fait, la guérison était là. La santé était là. La bénédiction était là. La richesse était là. Mais les ténèbres l'ont recouvert. Les ténèbres l'ont caché. Les ténèbres l'ont dissipé. La splendeur, le potentiel, l'éclat, la destinée, le caractère, la consécration, les connexions divines, tout était là, mais ça a été caché. Caché par les ténèbres. Les rabochalaramas. Les yarabochalaramas. Chez les remarasaya. Les rabochalaramas. Maïre rabaros et les remayarabas. Lima rechote la mayarabosa. Lima anelebo shanabaya. Les ténèbres sont une atmosphère propice aux démons. Les démons se cachent dans les ténèbres. Lorsque les ténèbres sont vents, les démons ne peuvent plus opérer. Ils n'opèrent pas en plein jour. Ils n'opèrent pas en plein jour. Ils opèrent dans les ténèbres. Ils opèrent dans l'obscurité. Je ne parle pas de l'obscurité physique. Je parle de l'obscurité qui est un environnement que Satan a amené. Lorsque la mort est rentrée, la mort a fait rentrer une atmosphère. Et nous sommes la lumière du monde. Dans le nom de Jésus, nous avons dans notre bouche les paroles de la vie. Les paroles de la vie. Par nos paroles, nous réprimons les ténèbres. Au nom de Jésus. Les ténèbres amènent le voile. Les ténèbres mettent un voile. Parosh katele morosa. Liramosh ele ramarosa. Ele ramosh ele ramarosa. Liramosh ele ramara. Liramosh. Ésaïe 25 au verset 7. Ésaïe 25 au verset 7. Kalama shata le baroshe telerama baroshe telereborosa. Ésaïe 25 au verset 7. Les ambaroshe telebaros les gabaros shata labo. Et sur cette montagne, en parlant du Seigneur, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples.
la couverture qui couvre toutes les nations. Il révèle qu'il y a un voile qui est sur tous les peuples, sur toutes les races, et qu'il y a une couverture, il y a un voile qui est posé sur toutes les nations. C'est grâce à ce voile, c'est ce voile qui crée les ténèbres, c'est ce voile qui cache les vies, c'est ce voile qui cache les destinées, c'est ce voile, c'est une atmosphère. Quand cette atmosphère de ténèbres est là, elle est là parce qu'il y a un voile qui cache, et Satan opère derrière, il égorge, mais dès que la lumière apparaît, il sait qu'il ne peut plus opérer. Voilà pourquoi Jésus a dit que le jour, la nuit vient où on ne peut pas travailler, mais lorsque la nuit vient, on ne peut pas travailler, mais lorsque nous sommes des enfants de lumière, nous travaillons le jour, Dieu travaille le jour, et pour que le jour soit manifesté, et il faut que la nuit soit bannie, soit chassée. La nuit, ce sont les ténèbres. Oh bien-aimé, est-ce que quelqu'un me suit? La barosha, la barosha. Il y a un voile qui permet à Satan de couvrir et de cacher ses activités. Ce soir, nous allons commencer par prier que ce voile qui couvre les peuples, ce voile, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. Tu vas déclarer que sur toi, sur ta famille, sur un Impact Centre Chrétien, sur l'église de Jésus-Christ, sur la France, sur la francophonie, le voile qui est sur tous les peuples et qui permettait à Satan de travailler, la couverture qui couvrait et qui permettait une atmosphère de ténèbres, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Tu déchires ce voile, tu es la lumière. Lorsque tu fais irruption, les ténèbres doivent s'évaporer, les ténèbres doivent s'enfuir, les ténèbres fuient devant la lumière, les ténèbres fuient devant la lumière, les animaux de la forêt fuient devant le lion. Et les ténèbres fuient devant la lumière. Je suis à la fois un lion spirituel, je suis à la fois la lumière. Ma présence chasse les ténèbres. Bien-aimé, sois conscient de l'armure, sois conscient de l'armure, sois conscient de ce que tu es un soldat, sois conscient de ce que tu es habillé, sois conscient de ce que c'est toi qui avances. Les ténèbres reculent. Maintenant, tu vas commander à tout voile qui permettait à Satan d'emmener les ténèbres, de maintenir les ténèbres, ce voile soit déchiré. Et je veux que tu répètes, tu dises, je suis la lumière. Je commande les ténèbres de se dissiper, de se dissiper. Et quand vous partez, partez avec vos œuvres de ténèbres. Emmenez au loin vos œuvres, vos maladies, vos infirmités, vos échecs, vos blocages, vos dépressions, vos pauvretés. Balancez tout, emportez tout. Je suis la lumière. Mais l'avantage ce soir, comme hier, tu n'es pas seul cette fois-ci. Tu n'es pas seul, tu ne parles pas seul. Ce sont des paroles qui sont en train de sortir comme un tonnerre, comme le tonnerre, comme le tonnerre. Élève la voix et réprime, déchire, déchirons le voile. Le voile qui cachait ta vie, le voile qui cachait ta guérison, le voile qui cachait ta santé, le voile qui cachait ton mariage, le voile qui cachait ton épanouissement, le voile qui masquait ta destinée, que tout voile qui était posé devant toi et qui criait, qui te rendait invisible, on ne voyait pas ton éclat, on ne voyait pas ta santé, on fait les radios, on fait les radios, on fait les examens, on ne comprend pas la cause de la maladie, on ne voit pas les symptômes, on voit les symptômes, mais on ne voit pas l'origine. Pourquoi? C'est un voile, que tout voile qui reposait sur chaque personne au son de ma voix, les voiles diaboliques, les voiles démoniaques qui faisaient qu'on ne voit pas la destinée, on ne voit pas le potentiel, on ne voit pas les talents, on ne voit pas les qualifications, on ne voit pas ta beauté, on ne voit pas ta splendeur, on ne voit pas ton éclat. Que ces voiles soient déchirés, soient déchirés, soient déchirés ce soir par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Ces voiles sont déchirés. Déchirez, 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 déchirez. Arachana Marosa, ce voile t'empêchait d'avoir la vision, ce voile t'empêchait d'avoir de l'ambition, ce voile te maintenait dans une pensée de médiocrité, ce voile t'empêchait de voir haut, toujours tu vois en bas, toujours tu vois les mêmes choses. Tu ne rêves pas grand, tu ne vois pas grand, tu ne vois pas loin, tu vois toujours petit. Quand on parle des études, tu vois petit. Quand on parle du futur, tu vois petit. Tout ce qui te concerne, c'est petit.
petite vision, petite ambition, petit boulot, petit diplôme. C'est un voile. Quand le voile est ôté, quand le voile est déchiré, soudainement la vision apparaît. Soudainement la lumière apparaît. Soudainement tu peux voir comme Abraham. Tu peux regarder les étoiles. Et Dieu me dit de te dire, telle sera ta postérité, telle sera ton histoire, telle sera ta destinée, tel sera ton éclat. Aussi loin que tu peux voir, c'est ce que tu pourras avoir. Aussi loin que tu peux voir, c'est ce que tu pourras devenir. Aussi loin que tu peux voir, Dieu n'a pas mis de restrictions sur ta vie. Que tous les voiles qui reposaient sur ta vie, le voile sur la santé, le voile sur l'organisme, le voile, on ne voit pas, on ne comprend pas cette maladie. Alors on dit c'est une maladie rare, c'est une maladie bizarre. On n'arrive pas à l'expliquer, on n'arrive pas à trouver un traitement. Alors on donne toutes sortes de traitements, parce qu'il n'y en a pas un qui est précis. On fonctionne par tâtonnement, parce qu'il y a un voile dans le nom de Jésus. Que tous les voiles qui cachent, qui empêchent la guérison, la manifestation de la délivrance, de la guérison, de la libération, Père, que ces voiles soient déchirés, qu'ils soient déchirés, qu'ils soient déchirés, ils sont déchirés. Ils sont déchirés, ils sont déchirés, ils sont déchirés. À partir de ce soir, ta lumière jaillit. À partir de ce soir, ton éclat est visible. À partir de ce soir, ta lumière devient évidente. À partir de ce soir, ce qui était caché est révélé. Ce qui était caché est exposé. Ce qui était caché est mis à nu au nom de Jésus. À partir de ce soir, ta vision devient claire. Ton ambition est rétablie. Le rêve du Père pour ta vie devient ton rêve. À partir d'aujourd'hui, tu sauras pourquoi Dieu t'a suscité. À partir d'aujourd'hui, tu sauras sur quel chemin tu dois marcher. À partir d'aujourd'hui, tu sauras quelle voie tu dois emprunter. Parce que le voile est déchiré. L'arabo chalerima. Les carabaros c'était des marins. Rossi pareil et les rabots. Oui, Seigneur, merci. Libéré, c'est les ramara. Chalaboros, il a marédosa. Les ramaros, ça te débarrassa. Paroche, que te débarrassa. Les rabots, c'est les barras, ça te débarrassa. Bien-aimé, il n'y a rien de plus terrible que de combattre un ennemi que tu n'identifies pas. C'est terrible de combattre un adversaire que tu n'arrives pas à cerner parce qu'il est caché, il est voilé. Mais je suis en train de recevoir que tout esprit qui agissait contre ta vie et qui était caché, au point que tu n'arrivais pas à le cibler directement, dans le nom de Jésus, lève la main. Je déclare et je décrète que tout voile qui était sur ta vie est ôté maintenant. Tout voile qui était sur un parc centre chrétien, toutes nos églises, un parc centre chrétien, sur l'église de Jésus-Christ, tout voile est ôté. Parce que lorsque la sorcellerie opère en cachette dans l'église, ils mettent un voile pour qu'on ne voit pas leurs œuvres. Mais je déclare qu'à partir de maintenant, tout ce qui était caché dans ta vie est mis à nu au nom de Jésus. Rien que la lumière le fait fuir, parce que le diable n'aime pas la lumière. Je déclare, tout démon que tu n'identifiais pas, toute adversité, on ne savait pas d'où elle venait. À partir d'aujourd'hui, les gens qui te combattaient de manière mystique, sans être identifiés, je déclare que le voile est ôté. Le voile est ôté. Le voile est ôté. Le voile est ôté. Les esprits humains sont mis à nu. Les esprits de sorcellerie sont mis à nu. La racine du mal est mise à nu. Tout ce qui se cachait, nous découvrons ta couverture. Nous découvrons ta couverture. Nous découvrons ta couverture. Et maintenant que tu es localisé, le feu atterrit sur toi. Le feu atterrit sur toi. Parce que tu te cachais. Maintenant que tu es mis à nu, le feu atterrit sur toi. Oriente le feu. Donne une orientation au feu. Où est-ce que tu l'envoies? Envoie-le. Il ne peut plus se cacher. Envoie-le. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Là où le feu est envoyé, le feu atterrit. Là où le feu est envoyé, le feu atterrit. Et tout ce que le Père n'avait pas planté, là où le feu est envoyé, le feu consume le bras des méchants au nom de Jésus.
Envoie le feu. Donne-lui une destination. Donne-lui une destination. Donne-lui une destination. Donne-lui une destination. Il libère quoi? Le feu est là pour juger. Le feu vient pour juger. Le feu vient pour brûler. Le feu vient pour consumer. Il consume quoi? Il juge quoi? Quelle maladie? Quelle affliction? Quelle montagne? Oh, donne-lui une direction. Donne-lui une direction. Donne-lui une direction. Quelle chaîne il va briser? Quelle chaîne il va consumer? Quel verrou de fer il va consumer? Donne-lui la direction. Donne-lui la direction. L'Eramachalarabosa. Et la Rimarosetele. Maroshalabaya. L'Eborosa. Donne-lui la direction. Donne-lui la direction. Est-ce que c'est la folie? Envoie le feu. Nous envoyons le feu. Contre tout bras de méchant. Contre la folie. Nous envoyons le feu. Contre la stérilité. Nous envoyons le feu. Contre l'endométriose. Nous envoyons le feu. Contre la ménopause précoce. Nous envoyons le feu. Maintenant. Contre l'esprit de sorcellerie. Nous envoyons le feu. Maintenant. Contre tous les esprits humains. Tous les esprits humains. Les esprits sataniques. Les esprits sataniques. Dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur ne veut pas de toi. Toi tu dis tu es marié à moi. Non, vous n'êtes pas marié. Le sang est contre toi. Et parce que tu contestes la voix du sang, ce soir, le feu du Saint-Esprit fond sur toi. Ce sont des pluies de feu. 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 De la tête aux pieds, 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 de la tête aux pieds. Tout ce que le Père n'avait pas planté dans ses corps est brûlé, est brûlé, est brûlé, est brûlé, est brûlé, est consumé, 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 consumé par le feu. Par le feu, 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 par le feu. Je déclare, je décrète, tous les esprits humains. Les esprits humains sont orgueilleux. Les esprits humains sont obstinés. Les cabaracha la barossa, les cabaracha te les cabarosso, les matorosso palede, maracha te les borosso palarede, les rebocos palede, catalebro chilarabosa. Pasteur Ivan, c'est quoi un esprit humain? C'est quoi un esprit humain? Ou un esprit familier, c'est quoi l'esprit humain? De la même manière, que celui qui se convertit au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Celui qui se tourne au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. De la même manière, il y a des gens qui se tournent à Satan volontairement. Ils savent ce qu'ils font pour avoir le pouvoir, pour avoir la chance, la richesse. Ils se tournent à Satan volontairement. Et en se donnant à Satan, ces personnes se donnent à un démon. Et avec ce démon, ils commettent l'adultère. Parce qu'au commencement, l'esprit de l'homme a été créé pour être en fusion avec le Créateur. Seul, jamais la créature. Seul, le Créateur était censé être en communion avec l'homme. Parce que l'homme avait besoin, non pas d'une créature, il avait besoin du Créateur. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Consolateur devait rester éternellement avec l'être humain. Il devait y avoir une fusion. Et c'est ce que la nouvelle naissance est venue engendrer. Une fusion entre la divinité et l'humanité. Les deux sont un seul et même esprit. Ça,
C'était le plan de Dieu. Mais il y a des gens qui se sont prostitués devant Satan pour obtenir le pouvoir, pour obtenir la richesse. Et en se prostituant à Satan, ils ont décidé d'être des agents du diable et des ministres de Satan. Ils ont décidé d'être des complices de vol, des complices de meurtre, des complices de destruction, des complices de pillage, des complices d'égorgement, des complices de Satan. Et c'est ça, un esprit humain, c'est une personne qui, en s'adonnant à un démon, est devenue un avec le démon. De la même manière que toi et moi, nous sommes là pour faire la volonté de Jésus-Christ. Eux, ils sont des instruments pour faire la volonté de leur maître, qui est la divinité à laquelle ils se sont, avec laquelle ils se sont prostitués. Et eux, ce sont eux par les bouches desquelles Satan envoie des malédictions. Et ce ne sont pas des gens qui sont morts. C'est quelqu'un qui est vivant, mais qui prête son corps, qui prête sa bouche pour envoyer des malédictions, pour envoyer des malédictions, pour envoyer des malédictions, pour jeter des sorts. Et donc, très souvent, dans de nombreux cas, quand on prie pour certaines personnes, c'est cet esprit humain qui va se manifester. Souvent, c'est le papa, ça peut être la maman, ça peut être un oncle, mais c'est ça, un esprit humain. Et il dit non, elle m'appartient depuis longtemps. Je ne sortirai pas. Mais ce soir, la katarabo shalaraba. Et souvent, ces gens-là, souvent ces gens sont comme des Simon le magicien. Comme Simon le magicien à Samarie. Souvent, l'esprit avec lequel ils travaillent contrôle toute la famille. Ce n'est pas eux qui contrôlent. En fait, le démon passe par eux. L'esprit mauvais, ce n'est pas un démon d'ailleurs. Souvent c'est une autorité satanique, souvent c'est une domination. Il passe par cette personne pour contrôler toute la famille. Ils peuvent passer par la personne pour contrôler tout le village. La Bible dit que Simon, le magicien à Samarie, il épatait tout le village. Tout le village était tenu par une seule personne. L'esprit qui travaillait à travers Simon contrôlait tout le village. C'est eux là, les esprits humains. Il est bien vivant. Il s'est adonné à Satan. Et il contrôle toute une famille. Il contrôle tout un village. Il contrôle des multitudes. Ce soir, nous allons mettre un terme à l'hégémonie, à la tyrannie, à la méchanceté de tous les esprits humains. Lamara Shabadakato, Lelamaro Salarama. Bien-aimé, sois conscient de ton uniforme. Sois conscient des armes que tu portes. Sois conscient de ce que tu es. Tu te lèves comme une lionne. Tu te dresses comme un lion. Sois conscient de ce que tu es, la lumière. La manif. Lorsque tu arrives, les ténèbres se dissipent. Sois conscient de cela. Ayant cette conscience de la vérité. Ayant cette conscience des armes de Dieu. Nous allons venir contre, écoute-moi, tous les esprits humains qui tiennent des familles, qui tiennent les santé, qui tiennent les villages, qui tiennent les ethnies, tous les, et qui ont du coup enfermé la destinée de plusieurs de nos frères et de nos sœurs. Nous allons déclarer et décréter, là où il y a un esprit humain, là où il y a un esprit humain qui est assis et qui contrôle des lignées, des générations, des multitudes, nous allons briser son emprise. Rappelle-toi bien aimé, c'est le lion qui inspire la terreur. Son rugissement inspire la terreur. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est œuvre d'un esprit humain dans la vie de nos frères, dans la vie de quiconque est connecté au son de ma voix, que cet esprit humain maintenant soit ébranlé au nom de Jésus. Élève la voix, ébranlons-le. Déclare que le feu le consume maintenant. Il libère nos frères, il libère nos soeurs, il libère la santé, il libère les foyers, il libère les mariages. Les esprits humains qui sont orgueilleux, prétentieux, qui dit personne ne sort. Je contrôle la ville, je contrôle la famille, je contrôle le village, je contrôle toute l'église et je tiens en captivité tout ce qu'on m'a donné. Nous venons contre toi dans le nom de Jésus. Plongé dans le sang de Jésus, revêtu de l'arme, l'armure de Dieu. Nous venons contre vous, esprit humain, qui tenez les âmes en otage. Nous vous commandons, libérez-les âmes. Le sang de Jésus-Christ est contre vous,
maintenant. Esprit humain, libéré, libéré, libéré. Il ne contrôle pas qu'une personne. Il peut contrôler la maman. Il contrôle les enfants par la rébellion, la prostitution, la folie. Il ne contrôle pas une personne. Il contrôle des multitudes. Mais ce soir, par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus, nous mettons un terme, nous brisons le règne de tous les esprits humains qui s'étaient prostitués, et qui contrôlaient des familles, qui contrôlaient des villages, qui contrôlaient des villes, qui contrôlaient des âmes, dans le nom de Jésus. Toute personne connectée au son de ma voix, prisonnière d'un esprit humain, ton bras est brisé par la main du Seigneur, ton bras est brisé par la main du Seigneur. Ta main est brisée, ton emprise est brisée. Tu libères les captifs, tu libères les prisonniers. Laisse partir les otages, laisse-les partir. Le sang de Jésus-Christ est contre toi. Au nom de Jésus, nous brisons ton règne. Nous détruisons tes œuvres. Nous détruisons ton règne. Nous brisons ton règne. Nous brisons ton règne. Envoie le feu sur son trône. Parce que c'est un chef. C'est un chef. Un esprit humain, c'est un chef. C'est pas un petit démon. C'est un chef dans le royaume des ténèbres. C'est un chef dans le monde des eaux. On l'appelle la reine des côtes. C'est un chef là où tu as mis ton trône. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous te détrônons. Nous te détrônons. Nous te détrônons. Nous te détrônons. Envoie le feu sur tous les trônes où Jésus n'est pas Seigneur. Sur tous les trônes où Jésus n'est pas assis. Nous libérons le feu. Nous libérons le feu. Nous libérons le feu. Bien-aimé, lorsqu'on attaque un esprit humain, on libère des multitudes, on libère des multitudes. Où sont les lions? Où sont les lions? Où sont les lumières? Marabashalabaya, levaro shatalevasa, mare sataya rabosaya, levero shalerevosa, mare rabosaya. Tu n'es pas seul, je ne suis pas seul. Nous sommes une armée, et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, dans le nom de Jésus. Tout ce qui tenait ta famille, on ne parle pas de toi, tout ce qui tenait ta famille, tout ce qui tenait les oncles, les tantes, mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, mes enfants, tout ce qui contrôlait, dans le nom de Jésus, nous brisons ton état de siège, nous brisons ton état de siège, nous brisons ton état de siège. Nous brisons cet 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 état de siège. Maintenant, nous libérons des puits de feu, des puits de feu, des puits de soufre. Le feu, le soufre, 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 le feu. Le souffle, le feu, le souffle, le feu, le souffle, le feu, le souffle. On y va. Le feu, le feu, le souffle, le feu, le souffle, le feu. Vers l'esprit humain, vers son trône, vers ses infrastructures, vers là où il est assis, dans les eaux, dans les forêts, dans les savanes, sous les eaux, vers la sirène, vers les esprits des lacs, vers les esprits des savanes, vers les esprits des forêts, vers les esprits des eaux, vers les esprits mauvais, ceux qui sont dans le ciel, que au nom de Jésus-Christ, qui tenait les familles, nous envoyons contre vous le feu, le feu, le souffle, le feu, le souffle, le feu, le souffle, le feu, le souffle, le feu, le souffle. Le feu, 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 le feu. Au nom de Jésus, acclame, acclamons, acclamons, acclamons. Che la rabosa, che le rebosa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Arracha la barossa. Le barosse de le maracha la raboro. Marre catoro bossi la rabarasse.
rosha kale mangala rosa. Lima roche le ramarasa. Paroche palé sotele. Mare sotele mandele sotele rebosse. Parade robosse tele rabosa yede rabosa. Lima roche keta la babosse te. Lima roche tele marosa kala labo. Liara baboro sele remarasaya. Shalara bokose tele rebo. Shalara barosa, ira barosh. Tu vas répéter avec moi ces paroles. Tu vas répéter avec moi. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Je décrète. Toute parole. De malédiction. Qui avait été prononcée. Avant ma naissance. À ma naissance. Après ma naissance. Avant ma naissance. Jusqu'à 10 générations. Avant moi. Toutes les paroles qui avaient été prononcées et qui avaient été maintenues, alimentées par les esprits humains et prononcées contre moi, qui contenaient mon nom, qui contenaient ma postérité, qui concernaient mon mariage, qui concernaient mes enfants, qui concernaient mon intelligence, qui concernaient ma richesse, qui concernaient mon expansion. Qui concernait mon épanouissement, qui concernait mon éclat, toutes les paroles qui avaient été prononcées et qui avaient atteint ma fécondité, qui m'avaient rendu stérile, qui m'avaient rendu malade, stérile physiquement, stérile émotionnellement, stérile mentalement, toutes les paroles qui avaient été prononcées pour me voler. Ce qui m'appartenait et ce que j'ai engendré, toutes ces paroles, dans le nom de Jésus et par le sang de l'agneau, je les annule, je les annule, je les annule, au nom de Jésus, les paroles qui ont limité, qui ont bloqué ma joie, ma paix, ma santé, ma fécondité, ma vitalité, mon épanouissement, ma vie conjugale, toutes les paroles qui ont été prononcées et qui m'avaient contrôlé, et qui avaient contrôlé mes frères, qui avaient contrôlé mes soeurs, qui avaient contrôlé mes parents, mon père, ma mère, les innocents qui appartiennent à ma famille biologique, ce soir, je viens au nom de Jésus libérer ma famille, libérer mon village, libérer tout le monde qui est lié à moi ce soir, comme une lionne, comme un lion, je viens au nom de Jésus déchirer, dévorer, détruire tout esprit méchant humain qui s'était emparé des âmes qui doivent être sauvées. Ce sont des innocents. Quiconque s'était emparé de moi et de tout ce qui est lié à moi, nous venons contre vous, esprit humain, esprit méchant. Nous vous détruisons, nous vous déchirons la tête, nous vous la détruisons. Au nom de Jésus, nul ne tient devant nous. Tant que nous vivrons, nous venons comme une armée détrôner vos trônes. Au nom de Jésus, et nous libérons le feu, le feu, le feu sur vous, sur vos trônes, sur vos prisons, sur vos sépulcres. Nous commandons la libération de tous les prisonniers que vous reteniez dans ma famille,
dans ma famille. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, tout esprit humain qui contrôlait le village, qui contrôlait la famille, nous vous détruisons. Nous venons contre vous. Au nom de Jésus, nous taillons en pièces. Taillez en pièces. Taillons-le, 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 taillons-le. Taillons-le. Libère ta famille. Libérons nos familles. Libérons nos familles. Nous nous libérons. Nous libérons nos familles. Nous nous libérons. Nous libérons nos familles. Nous nous libérons. Nous libérons nos familles. Nous nous libérons. Aïe, 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 aïe. Chalalabaya. Les bébés là. Voyez, rosso parade. Maya rochalabaya. Les barros salé la maya. Personne n'échappe. Il n'échappe pas. Nous les poursuivons. Nous les poursuivons. Dans les eaux, dans les sabbats, dans les forêts, dans les lacs. Nous les poursuivons. Les lions ne s'arrêtent pas. Tant qu'il n'est pas déchiré. Tant qu'il n'a pas dévoré l'emploi. Les lions ne s'arrêtent pas. Au nom de Jésus. Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls. Oh, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Au nom de Jésus. Les bachalabade sauté la baya. Les bro et chatalamaya robosa. Bien-aimé, lève ta main. Lève ta main. Tu répètes avec moi. Au nom de Jésus. Cette main levée représente la main du Seigneur. Maintenant. Au nom de Jésus, nous prononçons la destruction par le feu, l'anéantissement par le feu de tout esprit humain qui avait volé ce qui est à nous, mais qui se répandait également dans les autres membres de la famille. Qui tenait les frères? Qui tenait les sœurs? Qui tenait les parents? Qui tenait les innocents? Ce soir, nous commandons la libération de tous les otages, de tous les prisonniers, de nos familles biologiques, par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. La main du Seigneur est étendue au nom de Jésus. Que les bras, les mains, des esprits humains, ce soir, soit brisé, 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 brise-le, brise, brise, brise-le. Élève la voix, déclare, déclare sur ta famille. C'est la fin de la même stérilité. C'est la fin des, c'est la fin des fausses couches dans ta famille. C'est la fin des mêmes cycles. Les mêmes morts, les mêmes maladies, les mêmes célibats, les mêmes divorces. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Que le bras qui se répandait sur la famille et sur l'ennemi soit brisé. Continue, continue, continue. Ne t'arrête pas. Les marachatés, arrête ton robot. Les mamarare la bossaya. Les mamarés sautés, les mamas. Arroche à la bada. Libère ta famille. Je libère ma famille. Là, tu peux prier de manière personnelle. Libère tes frères, libère tes soeurs. Proclame la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Ma famille est rachetée. Je déclare et je décrète que l'esprit qui contrôlait ma famille, l'esprit prie pour ta famille maintenant, bien-aimé. Tout esprit qui contrôlait ta famille, qui contrôlait ma famille par la sorcellerie, la folie, l'idolâtrie, l'esprit religieux qui contrôlait ma famille par l'immoralité sexuelle, par la débauche, par le suicide, par la mort prématurée. Au nom de Jésus de Nazareth, nous détruisons vos œuvres, nous détruisons vos œuvres, nous libérons nos familles, nous libérons nos familles, nous libérons nos familles, nous libérons nos familles.
Là, on avait décidé, dans cette famille, dans ce village, dans cette famille, les filles ne se marient pas. Nous brisons cette malédiction au nom de Jésus. Et le bras du méchant, là où il avait été dit, les filles peuvent se marier, mais elles n'enfanteront pas. Tu n'as aucune idée, bien-aimé, des paroles qui ont été proclamées. Il y en a chez qui il a été dit, les filles ne doivent pas enfanter de garçons. Ces malédictions sont révoquées par le sang de Jésus. Et celui qui a prononcé ces paroles, tout ce qu'il a prononcé, nous déclarons et décrétons que ces paroles retombent sur sa tête dans le nom de Jésus. Les malédictions qu'ils ont prononcées retombent sur eux maintenant. Chadarabosa, Paresote la Mara, Lirama Chata Leborosa, Parecate la Morosa de Rabosa, Lirama Roche, Papalete de Rabosa, Aroche Bella Rezo, Pareto le Remasa, Lebeberos et Leremo, Aroche de Lemaro Chadaraba, Aneleboros et Leremosa, Liramo Chadarabosa, Leremos y la Rabosa. Kelerabos, Katalerabos, Liremos, Liboros, Kelerebarasa, Aredo Rosolerema, Rosebe, Liremos, 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 Kalarabos, Parasa Palarabara, Larabos, Atelamara, Setele, Limaros, Atelerama, Libros. Lerebos catalera mossa, le marasete le marasa telerosa. Chelera marasete le, la yara mamaria rosa, le mamarose le remaraso telerama, chapalato le tataramaso. C'est les Reborosa, Reborosa et les Marosa. Les Reborosa et les Ramarosa. Les Arana Reborosa. Mané les Reborosa et les Ramarosa. Chez les Ramarosa et les Reborosa. Chez les Ramarosa et les Ramarosa et les Ramarosa. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Ce soir nous allons arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Arramacha barakete le marosa. Nous allons à Yarama, les Rémaras et les Ramaras, Chalarama, les Camaros et les Ramaras. Nous allons à Yarama, ennemi à des Rémos, les Camaros et des Ramos. Nous allons à Yarama, les Rémaras, Chalarama, les Rémos et la Maya. Nous allons à Yarama, Chalarama. Nous allons chalala maria chalala maria posséder les maya
Nous allons. Nous allons dans le camp et nous chalabaros et les mamans possèdent et les mamans les allées. Nous allons dans le camp et nous chez la mara que d'Adamara. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, et à la marée chana gorosa, et à la chana, Ce soir, les jugements de Dieu vont s'exercer. C'est pas un démon là, on n'est pas en train de parler d'un esprit. En fait, il est en train de me montrer, on est en train de combattre et il va sauter. Mais ce n'est pas un esprit qui habite dans un corps. Il est incarné à travers une personne qui est comme un prêtre, qui est comme un grand maître. C'est comme un chef spirituel. Mais en fait, ce chef spirituel là, il est contrôlé par une divinité qui contrôle tout le village, qui contrôle toute la famille. Et cette personne là, c'est lui dont je parle là, l'esprit humain là, cet homme là, en fait, il ne fait qu'incarner. Il est le dépositaire du pouvoir de cette divinité. Et à travers ses paroles, il bloque et il paralyse la fécondité, les mariages. Il détruit les grossesses. Il prononce des fausses couches. Il bloque les mariages. Et... Mais ce n'est pas un démon qui habite en lui. Il est au service d'une divinité. Il est au service d'une domination ou d'une autorité. Il est au service d'une entité qui contrôle tout le village ou toute la région. Et toutes les personnes qui sont de cette famille ou de ce village ou de cette région ont les mêmes pathologies. Si on n'a pas détruit cet esprit, s'il n'a pas lâché prise, ta délivrance à toi ne peut pas avoir lieu. C'est lui qu'il faut attaquer, c'est pas un démon qui est dans ton corps. C'est ce qu'il est en train de montrer. C'est un esprit qui tient toute la famille et même plus que la famille. Si tu observes bien, tu vas voir qu'il tient plusieurs familles. Et ce sont les mêmes pathologies, les mêmes comportements, les mêmes cycles qui se répètent. Maraka sauté, tu ne peux pas le combattre tout seul. Mais ce soir, nous sommes une armée. Les Kamaros Shakataga, nous allons prononcer le jugement de Dieu. Nous allons prononcer la rétribution des méchants. Nous allons dire au juste juge, juge maintenant ce soir. Toute entité satanique, tu sais d'où tu es sorti. Tu connais tes origines. Toute entité satanique qui contrôle telle ethnie, qui contrôle tel type de ethnie, qui contrôle telle région, qui contrôle tout le village. Est-ce que tu es prêt à ouvrir la bouche et à prophétiser? Tu vas appeler le jugement de Dieu et tu vas appeler le feu. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ce soir, que toute entité satanique, toute entité qui contrôlait le village, la famille, qui contrôlait la région, et qui était incarné dans un prêtre de Baal, un prêtre d'Astarté, un prêtre de Dagon, quel que soit,
Je suis désolé, mais ce soir, appelle la moisson de tout ce qu'il a semé. Là où il a envoyé la mort, il va récolter la mort. Il a envoyé la stérilité, la cécité, les malédictions qu'il a envoyées. Non seulement tous les otages, et tu vas assister à la conversion des familles, tu vas assister à la conversion d'un village. Parce que ce soir, l'entité dont je parle va fuir la famille, elle va fuir le village, elle va fuir la région, elle va fuir cet ennemi. Au nom de Jésus, le Christ, décrète la justice de Dieu, décrète le jugement de Dieu, appelle le rétributeur, demande à Dieu la rétribution des méchants, la rétribution des prêtres sataniques qui se sont prostitués, la rétribution, que la rétribution, le jugement du Seigneur vienne comme un feu sur toutes les entités qui tenaient le village d'où je suis sorti, la famille d'où je suis sorti, et qui pensait que la captivité serait permanente de génération en génération. Non, je suis un sauveur, je suis un libérateur, suscité dans ma famille, pour libérer ma famille, pour libérer ma postérité, pour libérer les parents, pour libérer les innocents, pour libérer les temps, pour libérer les otages. Tu n'es pas seul, proclame la parole, déclare le jugement de Dieu, la justice de Dieu. Les rabochards, le jugement de Dieu, Dieu pour juger, il est dans sa main. Et quand il est dans sa main, il libère sa puissance, il libère son feu. Père, ce soir, que soit jugé au nom de Jésus toutes les divinités qui contrôlaient les familles de toutes les personnes connectées au son de ma voix, quel que soit leur nom, là où c'est la sirène, là où c'est la panthère, là où c'est le lion, là où c'est le serpent, quelles que soient les divinités invoquées dans nos familles respectives, ce soir, que la main du Seigneur se lève et s'abatte et frappe et réduise à néant toutes les puissances des ténèbres, domination, autorité qui contrôlait, qui bloquait nos familles, qui affligeait, qui asservissait, qui maintenait la captivité, ce soir. Ta main est brisée ce soir, au nom de Jésus. La rabo chalere catano. Aya rabo chatele rabosa. Yerebosa. Une personne ne comprend pas de quoi je parle. Parce que tu te dis, chez moi, il n'y a pas d'ethnie. Non, tu n'as pas compris. Regarde, si tu regardes bien, je te dis qu'il agit de manière familiale ou régionale ou ethnique. Aux Antilles, que dit-on? Comment sont les femmes? Comment sont les hommes? Ce n'est pas un démon. C'est une entité qui contrôle l'île, qui contrôle la région. Comment sont les hommes? Comment sont les femmes? Haïti, comment sont les hommes? Comment sont les femmes? Comment sont les Bretons? Qu'est-ce qu'on dit des Bretons? Qu'est-ce qu'on dit des Corses? Là d'où tu es venu, il y a une entité qui contrôle les familles, pas que la tienne, qui contrôle le caractère, le comportement, le tempérament. Les uns, chez nous là-bas, tout le monde a le sang chaud, les gens sont nerveux, les gens sont colériques. Quelles sont ces entités? C'est contre ça que le jugement du Seigneur s'abat ce soir, au nom de Jésus. Leur emprise sur ta vie est brisée. Leur emprise sur ta vie est totalement brisée. Mais ce soir, ce n'est pas que toi que Dieu est en train de libérer. Ce soir, c'est le salut de multitudes, de ta famille, des enfants, des frères, de tes soeurs, des parents qui est en train d'être enfanté. Ce soir, ce n'est pas que toi. Ce soir, c'est le salut de multitudes qui est en train de se jouer au nom de Jésus. Demande au Seigneur que la main du Seigneur s'abatte. Les barachata les reborosa. Les garabauchete les rebosa. Maroshka les rabosa. Les bébés sautent les mains. Les barochata les mains. Ne cesse pas de prier.
ne cesse pas de prier. Justice de Dieu, vengeance de Dieu, vengeance de Dieu, vengeance divine, 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 exécute tes jugements, 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 Père, exécute tes jugements dans cette divinité qui était assise sur nos familles, qui était assise sur les familles, et par ricochet sur les vies et sur nos enfants qui voulaient contrôler nos enfants, mais ne contrôleront pas nos enfants. Exécute tes jugements sur ceux qui pensaient que la captivité devait être la norme et que toute ma famille allait souffrir des mêmes maux, allait souffrir, allait pas connaître Jésus. Mais dans le nom de Jésus, tout ce qui était assis sur ta famille, sur nos familles, sur ta famille, sur ma famille, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et avec l'onction corporative, nous détruisons leurs œuvres, nous détruisons leurs œuvres, nous détruisons leurs œuvres, et nous commandons ce soir. Ce soir, nous prononçons la libération de tous les prisonniers. Ce soir, nous prononçons la libération de tous les otages. Les malédictions cycliques, les malédictions récurrentes, les malédictions chroniques qui t'avaient frappé, mais qui ne venaient pas que sur toi, qui frappaient toute la famille. À partir d'aujourd'hui, ces malédictions qui concernaient la fécondité, qui concernaient le mariage, qui concernaient le travail, qui concernaient la paix, qui concernaient la joie, qui concernaient la réussite, qui concernaient l'élévation, qui concernaient la splendeur, toutes ces malédictions et celles de folie et celles de restriction et celles qui t'avaient affecté au niveau des entrailles, au niveau des organes reproducteurs, toutes ces malédictions de stérilité, toutes ces malédictions de maladies chroniques, de maladies auto-immunes, toutes ces malédictions sont annulées, sont brisées par le sang de Jésus. Et la main du méchant qui s'abattait, qui œuvrait, est brisée par-dessus ta vie. Elle est brisée par-dessus ta vie. Elle est brisée par-dessus ta famille. Parachataleboros. Idaboros chalerimarasa. Adeleboros sadadaba. Chelereboros. Le caparachaleboros. Satale cabro unaria rabo. Chaleboros iladebo posaya. Chamandere carabo sadadabala. Tu vois, l'erreur, si tu ne combats pas ce combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, pour eux, tu es sauvé. Ils ne peuvent pas te récupérer. Mais ils vont maintenir dans la captivité tes frères et tes soeurs. Ils vont les maintenir dans la captivité. Voilà pourquoi ce combat annonce la fin de la captivité de toute ta famille. À partir d'aujourd'hui, quand tu annonceras Jésus à ta famille, il y avait un voile de ténèbres qui les empêchait de t'écouter. Il y avait un voile d'intimidation qui les empêchait de t'écouter. C'est pas leur faute. Il y avait un esprit qui les terrorisait. Il y avait un voile. Parce que cet esprit contrôlait toute la famille. Il affligeait avec divers maux, mais contrôlait toute la famille. Dans le nom de Jésus, toute entité satanique, toute divinité adorée dans nos familles respectives, qui contrôlait nos familles respectives et les empêchait de connaître Jésus-Christ, la main du Seigneur était étendue contre vous. Vos mains sont brisées au nom de Jésus. Votre emprise sur nos familles sont brisées au nom de Jésus. Vos voiles qui empêchaient la révélation de Christ sont déchirées au nom de Jésus. Vos œuvres que vous aviez mises sur nous,
ses œuvres par le sang de Jésus sont détruites au nom de Jésus. Quelles sont ses œuvres? Quelles sont ses œuvres? Ouvre la bouche, mentionne le nom. Quelles sont ses œuvres? Paracaté. Quelles sont ses œuvres? Détruis-les par le sang de Jésus. Quelles sont ses œuvres? Qu'on trouve dans la famille, on a trouvé chez les parents, on trouve chez les sœurs, on trouve chez les tantes, on trouve chez les oncles. Quelles sont ses œuvres? Quel est leur nom? Quel est leur nom? Détruis-les par le sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Quelles sont ses œuvres? Prostitution, perversion, débauche, divorce, polygamie, ayare katarabo sharaba, folie, les katarebo shalabaya, mariage bloqué, aucune des filles ne se marie, car elle se marie finissent par divorcer. À partir d'aujourd'hui, ces malédictions s'arrêtent. Les kabara shabara katerobosa, les bokosa te les mariarabosa. Toutes les femmes font un enfant après le divorce. Toutes les femmes vivent seules avec leurs enfants. Elles disent ça me suffit. C'est faux. C'est un cycle. C'est la même entité qui contrôle. Les baroshadanabarigataya. Ce sont les œuvres de la sirène. De ces œuvres à partir d'aujourd'hui. Et sur ta vie, et sur tes enfants, et sur tes soeurs, et sur tes frères, et sur tes parents, et sur tes oncles et tes tantes. Ces œuvres récurrentes, ces œuvres qui reviennent, soient détruites maintenant, maintenant, maintenant. Une main invisible est étendue, c'est la main du Seigneur. Elle brise le bras des méchants. Shabarakate, Marosko Taramaye de Borosa, Marekato Rabashata la Rabosa. Les maroches de Télémarasa Yarobosa, les bébés de Caramarosa Télérema, Baroche de Télémarasa, les bébés de Rababaya, les bébés de Caralidoso, les bébés de Caramarasa Télérema, Mare Caramosa la Rebarosa, les bébés de Maraca Télérabosa, les Baraya Rabosa, Chalarabarosa Télérema, Maresa Télérabosa Télérabosa. Maraca de la bosca de la marosse, Madele robusca de la rebosa de la bosca, Limeurosca de la re, Marecona basele de la rosca de la raya de robusca de la bosca de la masa. La rabosa, la rabosa. Chalarabokoria, les caparas au téléma, Maraco télérimosa, les beras au téléma, Paroco sepele. Ce soir, tu es en train de remonter à la racine, bien-aimé. La racine, ce n'est pas un démon qui est dans un corps. Ce soir, on n'est pas en train de parler à la racine. On n'est pas en train de parler à un démon. Non, non, non. Ce soir, on est en train d'assécher la racine. On est en train de couper 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 la racine. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi tu dois pas t'arrêter. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas distraire. Ce soir, tu dois prier en esprit. Si tu ne sais pas comment prier, prie en esprit. Maracata reboko setele demo. Shalarabara. Libero shatele dema. Marosore. Shalala Maria, 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 Shalala Maria,
Tes paroles sont indispensables, tes paroles sont nécessaires, tes paroles sont des armes, tes paroles sont un feu, tes paroles sont des armes, tes paroles sont des missiles, tes paroles sont des missiles, tes paroles sont des missiles. Les Médorosa, les Médorosa Galère, Marosa Valera, c'est les mamans. Chalara Mamadero, Chalere Marosé, Aïe la Maradera Marosa, les Ramadera Mosha, Kéreno, Chababala, les Remarosa, les Mébé, Chalarano, les Médorosa, les Matao, les Dosa. Chala baboro se derebo, chale mamara sate la ba, maroje te la marose te la marose te, parosa y la marosa que le bo, chale arabosa, chale rebos, chale arabos, chale rebosa, viere la vaya rebararo se te derebosa, chama manele rosa. Exode 23, verset 27. Ce sujet de prière n'est pas fini. Au-delà de moi, il n'est pas fini. Il y a une guerre qui a lieu en ce moment, je le ressens. Je le ressens. Il y a une atmosphère de feu ici, de combat. Ce n'est pas fini. Exode 23, verset 27. Hier, on a vu, il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Maintenant, il me dit de te dire, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos à tous tes ennemis. Il m'a dit, sois conscient de ton armure. Tu n'es pas seul. Vous êtes un peuple. C'est une armée. Il se lève comme une lionne. Il se dresse comme un lion. Il est rendu de la cuirasse, de la justice. Il est rempli d'audace et d'assurance. Mais il me dit, lis bien, je mettrai en déroute tous les peuples, quel que soit leur nom, ne les crains pas, chez lesquels tu arriveras. Mais ça veut dire qu'il faut que tu arrives là-bas. Si tu n'arrives pas là-bas, je ne les fais pas fuir. Ça veut dire que si tu ne vas pas vers eux pour les terrifier, ils ne vont pas fuir. C'est quand tu vas arriver là-bas que je les mettrai en déroute. C'est quand tu vas arriver pour les terrasser qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils ne peuvent pas résister la confrontation. Parce que ce n'est pas toi qui combattras. C'est moi qui combattrai pour toi. C'est moi qui marche devant toi comme un feu dévorant. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que toi tu dises, je viens contre vous. Et quand tu dis je viens contre vous, tu es en train d'arriver là-bas. La yaraba shaka tarabaro sata yarabo. Nous allons prier, bien-aimés. Tout ce que ces dominations, ces autorités qui contrôlaient la famille, qui contrôlaient la région, qui contrôlaient le pays. Ce soir, nous repartons à la source. Cette prière a un lien direct avec là où tu es né. Là où tu es né. Karabashadaba. Écoute-moi, nous allons prier que tout ce que cette entité satanique avait semé comme pathologie, comme affliction, comme schéma de blocage, de malédiction, ce soir, nous allons tout déraciner. Mais il faut que tu sois nominatif parce que nous sommes en train de prier pour les familles. Quelles sont les œuvres que tu as vues? Répétez. Tu vas déclarer, décréter. On va tous déclarer. Que tout, il faut les mentionner. Nous déracinons. Je déracine de toute ma famille. Telle pathologie, tel schéma,
telle malédiction. Je l'arrache, ce sont des maladies. Elle quitte les corps. Si c'est la folie, elle quitte les têtes. Si c'est la pauvreté, elle quitte les corps. Elle quitte la vie. Elle lève la voix. Il faut déraciner. Que ce que le Père n'a pas planté soit déraciné. Que tout ce que ces puissances des ténèbres avaient planté dans la famille. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce qu'un libérateur est en train de libérer? Est-ce qu'un sauveur est en train de sauver? Est-ce qu'un intercesseur est en train d'intercéder? Sharabadaro Sayanemo. Jésus, tu n'es pas seul. Les libérateurs sont en train de libérer. Le prêtre qui alimente, la personne qui incarne
cette autorité. Maintenant, nous allons dire, Seigneur, moi, je ne vais pas appeler sa mort, mais nous allons appeler son jugement. Selon, pas selon notre volonté, selon la justice de Dieu. Mais tout prêtre satanique, tous les prêtres qui incarnent ces démons, qui en fait se sont prostitués, nous allons dire au Père que ta justice se manifeste maintenant. Rétribue-les quand ça? Quand ça? Quand ça? Il les rétribue quand? Ils reçoivent leur rétribution quand? Ils la reçoivent quand? Ils la reçoivent quand? Alors tu vas élever la voix. Tu vas dire, j'appelle leur rétribution maintenant. Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit, les paroles qui planaient de génération en génération, et qui allaient frapper les enfants, et qui allaient frapper les gens, les parents, les angles, les innocents, toutes les paroles qui planaient dans l'atmosphère vont faire effet retour immédiat, et toutes ces paroles vont aller les habiller ce soir. Au nom de Jésus, appelle la rétribution. Demande à Dieu, rétribution, rétribution, rétribution des méchants. Élève la voix, appelle leur rétribution ce soir. Aïe, robo, chalarabosa. Les bochinabarosa. Les camaradebosa. Les babosa, les rebosa. Les camarosa, yaba. Maya, raba, yarabo. Ah, Père, ne laisse plus prospérer les méchants. Les bâtisseurs d'hôtels, ceux qui ouvraient la bouche, et la bouche était remplie de malédictions, leur bouche était remplie de fraude, remplie de tromperie, remplie de malédictions. Toutes les paroles sorties de la bouche des prêtres, des sirènes des eaux, des prêtres de sorcellerie, nous déclarons et déclarons ce soir toutes les paroles qui étaient sorties de leur bouche. Et qui planait à partir de ce soir, ces paroles, à cause du juste juge, à cause de la vengeance divine, à cause de la rétribution des méchants, que nous appelons maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons que les paroles qui planaient et qui attendaient repartent maintenant à leur destinataire. Que ces paroles repartent à leur expéditeur, à leur expéditeur, à leur expéditeur. Dans le nom de Jésus, écoute-moi, je déclare et je décrète. Tous ces prêtres dans toutes les familles représentées ici et en présentiel par internet également. Tous les, nous n'appelons pas la mort, nous appelons la justice. Père, tu as dit dans ta parole, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et il réclame justice. Et tu as dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Père, répète avec moi au nom de Jésus. Tu vas répéter. Père, dans le nom de Jésus, conformément à ta promesse, tu as dit, si nous crions à toi, nuit et jour, pour réclamer ta justice, tu as dit, tu nous feras promptement justice. Père, ce soir, nous réclamons la rétribution des méchants dans la bouche. Est rempli de malédiction, rempli de tromperie, rempli de fraude, rempli de méchanceté, rempli de sortilège, rempli d'incantation. Père, toutes ces paroles qu'ils avaient prononcées pour leur divinité et qui planaient et qui étaient sorties de leur bouche et qui frappaient les gens. Ce soir, toutes ces paroles, à cause du juste juge,
est de ta rétribution immédiate. Nous déclarons que toutes les paroles des méchants reviennent sur eux. Maintenant, maintenant, toutes les paroles reviennent sur eux. Elles viennent les habiller. Elles viennent les habiller. Elles viennent sur leur tête. Elles les habillent. Elles les habillent. Elles les habillent. Ces paroles sont faites de chair sur leur vie, sur leur corps, sur leur âme, sur leur esprit. Maintenant, 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 maintenant. Rétribution des méchants. Rétribution des méchants. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur cette parole. Wow. Rétribution divine, rétribution divine, rétribution divine. Nous déclarons que ce soit rétribution. Ah, ah, ah. Rétribution. Rétribution des méchants. Rétribution. Maraya Remara. Rétribution. Rétribution. C'est le jour de rétribution. 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 C'est le jour de rétribution. Rétribution. Aya Ramasha Ramara Rebosa. Shamama Rebosa. C'est le jour de rétribution. Rétribution. 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 Rétribution divine. Acclame, 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 shadarabala. Shadarabala, bossa, tarebala. Marosha, telebaya, rabos, telebaya. Nous n'avons appelé la mort de personne. Nous avons appelé la justice. Mais ce soir, tous ceux qui avaient maudit et toi et ta famille. Aïe, aïe, aïe. Va se réveiller dans quelques jours. Il y en a, ça va être AVC immédiat. Parce qu'ils ont frappé par des AVC. Il y en a, ça va être... Ne sois pas étonné si dans ta famille tu entends, il y a quelqu'un que tu connais qui s'est levé avec un faisceau, un afflux massif de douleur, de blocage, c'est-à-dire que tout en lui est en train de se dégrader. C'est la rétribution divine. C'est la rétribution des méchants. Bien-aimé, élève la voix, remercions Dieu pour ce qu'il a fait. Remercions Dieu pour la fin de captivité de nos familles. Ce soir, c'est la fin de captivité, pas seulement de toi et moi, de nos familles. Aïe, 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 aïe. Les ramarachanamaro, les bébékakaya, remercions, remercions. Remercions, acclamation divine, acclamation divine, acclamation divine, acclamation pour le roi, acclamation, acclamation divine, pour la délivrance de nos familles, de nos quartiers, de nos villes, de nos régions, là d'où nous sommes sortis, acclamation. Acclamation, acclamation divine. Les bergers, les libérateurs ce soir ont fait le travail. Ils ont libéré des otages, libéré des multitudes. Ils ont libéré leur vie. Ce soir, tu viens de libérer des vies. Tu viens de libérer des âmes. Acclamation. Acclamation divine, acclamation divine, acclamation divine, acclamation divine, acclamation divine,
acclamation divine, acclamation divine, acclamation divine, acclamation divine. Nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus sur toute personne connectée au sang de ma voix. Père, nous te disons merci. Ce qui était la racine de la souffrance et du tourment, ce n'était pas un démon. Les démons obéissent à des entités supérieures. Nous te rendons grâce de ce que sur nos familles, sur le village, la ville, je suis sorti. Sur tous mes proches, oncles, tantes, pères, mères, frères, sœurs, la main de ces entités qui se déployaient ce soir sur ta famille et sur ma famille, cette main qui détruisait les vies et les innocents est brisée au nom de Jésus. Bien aimé, vous n'avez aucune idée du feu qui est ici ce soir. Maya Daba, Parakate le Marosa, Maradabarosha Daba, le Morosha, il est partout, il est partout, il est partout. Chez les Katarabosa, la main du Seigneur se pose sur chacun d'entre nous. Ce soir, chacun a été un libérateur. Il n'y aura aucune représailles. Parce que tu as combattu ce combat. Mets la main sur ta tête. Ton grade spirituel vient d'augmenter. Ton autorité spirituelle vient d'augmenter. Le poids de ta voix vient d'augmenter. Non seulement le Seigneur envoie sa terreur devant toi, mais je déclare que le Seigneur a mis en déroute tous ceux vers lesquels tu es allé ce soir. Tous ceux contre qui nous sommes allés, là où nous sommes arrivés en esprit, ils ont pris la fuite au nom de Jésus. Parce que le Seigneur leur a fait tourner le dos selon sa parole. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Nos ennemis, adversaires, sont notre marchepied au nom de Jésus. Il n'y aura aucune représailles. Voilà pourquoi tout ce que je te demande, bien-aimé, le Saint-Esprit me dit de te dire quelque chose. On a fini, mais je dois te dire quelque chose qui est en train de monter fortement en moi là. Il me dit de te dire la rétribution, la justice de Dieu, c'est lorsque Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Mais il me dit de te dire, les paroles prononcées là sont puissantes ici, mais assure-toi de ton côté d'être irréprochable. Parce que si toi aussi tu sèmes le mal, il est en train de me dire, si toi-même tu sèmes le mal, son jugement va frapper les méchants. Mais le problème, tu as demandé la justice. La justice, il rend à chacun selon ses œuvres. Au juste, il récompense selon leur justice. Aux méchants, selon leur méchanceté. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu étais méchant, si tu pratiques la sorcellerie, ou si tu maudis les gens, tu calomnies les gens, tu injuries les gens, je te supplie, avant de sortir d'ici, demande pardon vite. Parce que les paroles prononcées vont retomber
c'est sa justice. Il me dit de te dire, ne crois pas que si tu es méchant, les méchants seront jugés et toi tu seras épargné. Non. Si tu cultives la méchanceté, tu dénigres les gens, tout ce qui a été dit, s'il te plaît, repends-toi avant de sortir d'ici. Père, merci. Ramène-nous à la repentance. Je ne sais pas pour qui je dis ça, mais ta volonté, ce n'est pas la destruction du méchant. Mais ce soir, le méchant, dès ce soir, reçoit selon ses œuvres. Tous ces prêtres sataniques qui prêtaient leur corps pour se prostituer et qui étaient les agents de Satan pour proclamer des malédictions partout, ce soir, aucun n'échappe au nom de Jésus. Mais nous, nous te prions qu'à travers ta vengeance, à travers ta main qui s'abat sur eux, ils rentrent en eux-mêmes, réalisent leur folie et voient que leur démon n'est pas capable de les sauver. Et nous te prions que tu leur accordes la grâce de se tourner vers toi, de renoncer à la méchanceté et de revenir à la bonté, à Jésus-Christ. C'est notre prière pour eux, Père, dans le nom de Jésus. Mais une chose est certaine, le méchant qui a prêté son corps et sa bouche pour être une source de malédiction, ce soir, reçoit selon ses œuvres. Et nous, nous recevons la récompense des justes, la restauration totale, la guérison, la délivrance, la libération, la joie parfaite, la liberté des enfants de Dieu. Nous habille au nom de Jésus. La boros tararabo, le barasha barosa. Au nom de Jésus. Quelqu'un, ce soir, dans le monde spirituel, vient de perdre toutes ses facultés. Tout est retombé sur lui en une seule fois. Ça s'accomplit ce soir. Satan va chercher un successeur. Il va chercher quelqu'un d'autre. Toute personne dans nos familles qui essaiera de prendre le relais de la personne disqualifiée, elle reçoit le même jugement au nom de Jésus. Elle reçoit le même jugement au nom de Jésus. Tout ce qu'elle essaiera de prononcer va retomber sur elle le même jour au nom de Jésus. Nos familles seront établies sur une seule alliance, l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et nos familles seront sauvées dans le nom de Jésus-Christ. Elles seront guéries, sauvées, libérées, épanouies. L'héritage sera visible au nom de Jésus. Merci Père. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage de maintenant et à jamais. Et nous te remercions de ce que le bonheur et la grâce et la miséricorde et la protection et la faveur nous accompagnent, nous sécurisent tous les jours de notre vie. Et notre nuit et notre retour est sécurisé par des escortes angéliques. Par la ligne du sang de Jésus, nous sommes intouchables. Notre sommeil est doux, paisible, sans stress, sans angoisse, sans visitation aucune. Toutes les puissances des ténèbres, tous les esprits de sorcellerie qui venaient visiter nos frères et nos sœurs la nuit, à partir d'aujourd'hui, ses rêves sont terminés. Celui qui veut franchir la ligne du sang de Jésus, qu'il soit foudroyé par le feu. Personne ne t'atteint. Plus personne ne t'atteint, c'est terminé. Tu vas vouloir rentrer dans ta maison et foudroyer au nom de Jésus.
l'Afrique va se déguiser en animal, en insecte, en animal quelconque pour venir te visiter. Un piège l'arrête, il est immobilisé et il est frappé de folle. Il ne viendra plus te visiter. Il ne viendra plus. Père, merci. Les cieux et la terre passeront. Ces paroles ne passeront pas. Parce que tu confirmes la parole de ton serviteur. Et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Honneur, louange, éclat à toi. Sagesse, action de grâce, force et puissance. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce, Père. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. We thank you, Father. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons dans la paix du Seigneur. Rien ne t'arrivera. Tu vas en paix. Mais assure-toi, s'il te plaît, de ne pas pratiquer la méchanceté. Tu n'as aucune idée des paroles qui ont été prononcées ce soir. Tu dois te repentir. Si tu pratiquais la méchanceté, tu vas envoyer ça chez les gens et une partie va venir sur toi. Je t'en supplie. Amen. Je suis sérieux. Pas avec ça. Que Dieu vous bénisse, excellente soirée. Aidez-nous à accompagner nos frères et nos sœurs à la gare. Nous retrouvons demain 19h par la grâce de Dieu. Amen. Dis quelque chose à ton voisin. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce qu'on va dire quoi à son voisin? Hein? Karabacha Kalamaro. On dit quoi? Ah. Bon, tu dis à ton voisin, un libérateur a été manifesté ce soir. Voilà. Un libérateur a été manifesté. Et dis aussi, ma famille a été délivrée. Ah, c'est terminé.